C'était il y a bien longtemps, en ces temps bénis de Dieu. La voûte céleste était un immense dôme recouvert de velours bleu, sur lequel étaient cloués les astres et les étoiles. Et la terre, un immense disque plat, qui trônait dans l'univers. Cette terre était peuplée dehors de barbares, plus sanguinaires les unes que les autres. Mais heureusement, au cœur était l'Orient. Et au cœur de l'Orient rayonnait un pays de lumière qui avait été bâti tout entier pour servir une ville que n'égalait ni Rome, ni Alexandrie, ni Constantinople. C'était la plus splendide, la plus somptueuse, la plus prodigieuse de toutes les cités de l'univers. C'est pourquoi on l'appelait tout simplement la Magnifique. Et son guide suprême, commandeur des croyants, était l'être le plus fin, le plus charmant, le plus généreux qui n'ait jamais existé. Mais surtout, il était bon. C'est pourquoi on l'appelait tout simplement... Ah ! Is no good, le bien-aimé. Voilà. Mon fidèle Dilaklarat, quand je serai débarrassé d'Harun el Poussa, ce gros incapable de calife, que la malédiction soit sur lui et tous ses descendants, voilà comment tous les livres de sorcellerie de mon cher Tebrune devront commencer. Quand je serai calife à la place du calife! À la place du calife, faudra un surnom qui soit représentatif. Quelque chose de noble mais surtout jouissif. Un truc bien incisif pour quand je serai calife. Passons en revue toutes mes qualités. Ce serait pas tôt d'en oublier. Creusons-nous la tête, il me faut la bonne idée. Pas juste un truc au pif. Je serai calife, 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 calife! Is no good le puissant, le grand, le flamboyant! Non, tout ça, ça fait minus, il me faut quelque chose de plus, je ne sais pas quoi en plus! Charmant! Bleh. Non, l'éblouissant, le scintillant, l'étincelant. Et pourquoi pas le ver luisant, ou même le phosphorescent. Non, faut que ce soit évident. Méchant? Non. Sinon, il y a Is No Good, le généreux aussi. J'aime bien. Ah oui, patron. C'est bien, mais là, attention. Vous allez être obligé de faire des cadeaux au peuple. Ah oui? J'aime pas. Parce que justement, j'avais envie d'augmenter les taxes, les impôts et tout ce qui me rapporte directement à moi. Bon, on verra plus tard. Fais entrer qui tu sais. Le mage qui tu sais, patron. Voilà, cher qui tu sais, je cherche un stratagème efficace et discret pour faire disparaître quelqu'un. L'éliminer définitivement, l'exterminer, le réduire en poussière, l'éradiquer de la surface de la Terre. Et c'est pas grave si ça fait mal. Oh, is no good. Les astres m'ont parlé. Si vous n'êtes pas devenu calife à la pleine lune du mois d'Azotcha, vous ne pourrez plus rien tenter pendant 2 années pleines. Et c'est quand ça, la pleine lune du mois d'Azotcha? Samedi! 5 jours! J'espère que tu as quelque chose d'efficace à me proposer. Sinon, je te fais emballer.
grenouille. Ce n'est pas juste une petite grenouille, génialissime vizir. Cet animal est en fait un prince, transformé en lamentable batracien, jusqu'à ce qu'un autre l'embrasse. Car quiconque embrassera la grenouille, en grenouille, se transformera. Mais qui embrasserait cette immonde chose? Qui? T'as vu sa tronche? Mais non, patron, c'est la grenouille qu'il faut embrasser. Allez-y, Votre Altesse. Embrasse-moi. Oui, c'est bon, ça. Cette fois, je vais être calife à la place du calife. Combien? 300 000 piastres. 100. 200. 150, et c'est mon dernier prix. Sinon, je te fais empaler. Paye. Mais qu'est-ce que tu fais, imbécile? J'ai dit 150. 150 piastres, pas 150 000. 50, 100, 150. Et voilà. Sinon, je te fais empaler. Il est bien marsandé, là. Dilate, allons de ce pas au palais voir le calife, mon futur prédécesseur, pour lui faire un joli cadeau. Mais patron, si ça ne marche pas, parce que je voudrais pas dire, mais souvent, ça rate. Tu as toujours raison, mon fidèle Dilate. Qu'est-ce que je ferais sans toi, hein? Embrasse-moi. Oui! Tu m'as délivré du maléfice. Embrasse-moi. Pas la peine, garde! Vous oubliez. Dilate. Oh, Dilate. Tu vois que ça marche, hein, mon bon Dilate. Toujours suspicieux, là. Ça y est, j'ai trouvé. Is no good. Le redoutable. Ça le fait. Et je peux vous assurer qu'il ne s'est jamais rien passé. Ah non, nous nous fréquentons jamais. Alors, jamais je n'aurais osé porter mon... Jamais. Jamais, jamais, jamais. Sire, elle est peut-être dans sa chambre. Non. Ma fille n'est jamais dans sa chambre. Papa. Dors, tout le monde. Dors. Tout le monde. Tout le monde. Princesse, j'ai besoin de vous parler. Je vous attends dans mon palais. Princesse, ma fille, cette situation a suffisamment duré. D'un bout à l'autre du sultanat, et même, m'a-t-on rapporté, aux confins de régions les plus éloignées, on ne colporte que potins et ragots à votre sujet. Je sais que ce sont des calomnies, mais ça m'énerve. Il est grand temps de vous marier, avant que nous soyons la risée de tout l'Orient. Puisqu'apparemment vous avez du mal à vous décider, c'est moi qui déciderai de votre futur époux. Non. Ma fille.
Ramenez-moi un prisonnier! Que je me venge sur quelqu'un! Attention, commandeur des croyants, si vous bougez votre esclave, je prends votre caravansérail avec mon janissaire et je mets votre sultan en échec. Attention. C'est à vous de jouer, commandeur des croyants. La danseuse qui chante, regarde son décolleté. Ah, j'adore. Fais l'avenir. Très gentille danseuse, qu'un joli petit papillon s'est accroché à ton ruban et que de tout le temps de la danse, il n'est jamais tombé. Allez, viens papillon. Tu as vu? Il m'a dit bonjour. Bonjour papillon, gentil papillon. Oh, merci gentille danseuse. Quel est ton nom? Belle Bête. Oh, c'est très joli, Belle Bête. Qu'on lui donne 20 000 piastres. Faudrait pas qu'il prenne un mauvais coup, surtout. 20 000, quand même. Ah, d'accord. Tout, alors. Merci, merci. Oh, merci, commandant des croyants, merci. Et en plus, elle remuait comme ça, tout le temps, et il n'est jamais tombé, mais c'est extraordinaire. Oui, c'est fou. C'est formidable, formidable. Et si nous reprenions notre partie? Non, mon chambellan, trop compliqué ton jeu. Peut-être que vous préférez jouer aux dames. Non, bobo à la tête. Je crains que les dames ne soient pas la passion de notre calife. C'est pas encore maintenant que nous aurons un héritier pour le trône. Mais pourtant, il y a 249 femmes dans le harem. Hein. On sait, le nuque. On a la plus belle collection d'épouses de tout l'Orient. Mais de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. Tiens, j'ai encore acheté une demi-douzaine de blanches, des fines, que j'ai fait spécialement venir, de Bretagne. Je les ai même pas touchées. Ah, moi, j'aime que les grasses. Et puis, les blanches, elles ont pas de parfum, elles sont trop fades. Moi, de toute façon. Ouais, toi, tu ne peux plus. En même temps, tu as la garantie de l'emploi. Écoutez, les amis. J'ai entendu dire, par les étrangers qui venaient du désert, que quelqu'un cherche à tout prix à marier sa fille, le sultan Poulmankar. Mais il paraît qu'elle est très 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 moche. Oui, et lui très 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 pauvre. Si ça se trouve, sa fille est tout à fait sympathique. Si elle est aussi sauvage que son père, on va pas rigoler tous les jours. Mais si le calife venait à disparaître, sans héritier, qui serait autorisé à lui succéder? Le grand vizir is no good. Gloire et honneur au grand vizir. Mon doux, mon salami. Oui. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Poussi poussa. Oh. Ah, ce fourbe d'Isnogo, il complote quelque chose. Mais lui serait bien capable de s'allier avec Poulmankar, si nous ne le faisons pas. Oh, quel joli papillon vous avez là. Tu as vu? Je crois qu'il est très très rare. Eh bien moi, votre bonté, je vous ai apporté quelque chose de très très rare. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? J'ai un mauvais pressentiment. Les astres. Consulte les astres. Vite, bien sûr. Une surprise? Oh, j'adore les surprises. Je regarde pas. Hein. Tu me dis quand je peux rouvrir les yeux. Allez, allez. Alors? Oh, ça, j'ai jamais rien compris. Ça. Est-ce que ça se mange d'abord? Non, ça se mange pas.
Qu'est-ce qui se passe? Chambellan, parle! Quelqu'un va disparaître. Oh, ça va être bien. Un pacte de 10 secondes. Qu'est-ce que ça va être? Un pacte dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Un pacte! Autant pour moi. De toute façon, mon bon Is No Good, tu m'aimes tellement que tes cadeaux font toujours mouche. Allez, j'ouvre les yeux. La jolie petite grenouille. Oui. Embrasse-moi. Et elle parle? Mais oui, elle parle. Hein? Faites-lui un petit bisou, vous allez voir, elle va parler encore. Ah bon? Aïe. Oh, non mais dis donc, mal poli. Non mais... Non, commandeur des croyants! Oh, commandeur des croyants! Oh, c'est pas possible! Non. Tiens-moi ça, toi! Ah, regardez, mais... elle pleure, mais non, la petite grenouille! Elle pleure! Je m'en fiche, en plus j'aime pas sa voix. Embrasse-moi! Ta gueule! Ferme ta gueule! Faut arrêter le grand vizir, il est devenu ma boule. Mon fin, mon bon Is No Good, ne te mets pas dans cet état-là. Je vais l'embrasser, ta petite grenouille, si ça te fait tellement plaisir. Garde! Arrêtez ces combattants! Ils ont fait disparaître le calife! Oh mais non! Avec moi! Bourreau, fais ton office. Il avait raison, finalement, ce bon Aaron. Ça se mange. Bingo! Je suis calife à la place du calife! Toi! Bien fait! Pas comme ça, la musique, là, comme ça! Pas compliqué, oh. Gloire au grand calife, Israël! J'ai pas entendu! Gloire au grand calife, Israël! Je suis le king de tous les lascars d'ici jusqu'à Zanzibar. Les barbares, j'en fais des spectateurs. Jusqu'au fin fond du cachemire pourri, comme moi y'a pas pire. Parole d'ancien vizir, je te déchire. Il a tué le calife, bien pas son canif, s'il vous a dans le pire. Il a les nerfs à vie, c'est lui le calife, chauffé comme il kiffe. Is No Good, c'est good. Je suis un vrai killer. J'ai bouffé à le nouveau grand vizir. Qu'est-ce que tu veux? Devenir calife à la place de moi? Les mœurs politiques ont changé désormais, tu sais. Je peux te faire empaler. Vous rêvez, patron? Oui, c'est ça, oui, tu vas voir si je rêve. Mais si, là, vous rêvez. Vous dormez, oh, oh. Vous réveillez, oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai fait un cauchemar horrible. Il y avait une musique épouvantable. Il est pas mort? Le calife, il est pas mort? Bah justement, il faut... Les gazelles, il y avait des gazelles comme ça. Elles sont où les gazelles? Qui? Mais depuis combien de temps je rêve? Bah ça fait déjà pas mal de temps, mais vous aviez l'air tellement heureux. Moi je pose de vous réveiller. Oh non! Patron... Encore 5 minutes! Mais il faut que je vous dise quelque chose. Laisse-moi encore 5 minutes ou je te fais éplucher à l'aide d'un canif rougué.
Embrasse-moi. Qu'est-ce que t'as dit? Moi, rien. Mais si, mais... t'as dit que... Embrasse-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est la grenouille ensorcelée qu'on nous a remise qui tu sais, vous vous souvenez? Et la pleine lune du mois d'Asoutcha, j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Non, non, c'est dans 4 jours. Mais tu me laisses dormir? Mais non, justement, patron. Mais si, tu me laisses dormir. Prémonitoire. J'ai fait un rêve prémonitoire. Viens. Mais patron. Oh, he's no good, le terrible, le cruel, le monstrueux. Ah, c'est trop bête, hein, je l'avais trouvé en rêve. Sinon, he's no good, le bon, dans un autre jour. Faut être un tout petit peu crédible, patron. Quoi? Je suis pas assez bon, moi? Tu sais tous les progrès que j'ai apportés à notre cité? Tous les prodiges que j'ai réalisés, hein? L'eau courante, par exemple. Eh ben, c'est moi. Hein. Soif. Soif. C'est un vrai progrès, l'eau courante. Oh non, merci, pas soif. Oh, puis si. Oh, puis non. Quoi? Il veut que je lui coupe quelque chose, lui? Incroyable. Nos jours, les gens vont au bourreau, ils se croient en vacances. Franchement, leur vie pourrait être pire. Hein. Ils pourraient m'avoir comme calife. Bientôt. Bientôt. Qu'est-ce que tu disais, toi? Je disais que l'adjectif bon ne me semblait pas très approprié, patron. D'autant plus que c'est déjà le surnom d'Aruna le Poussa, le bon. Je l'ai! Je le déteste! Je veux qu'il crève! Tu commences? Je veux qu'il crève! Je veux être calife à la place du calife! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Mais justement, patron! Mes condoléances, madame Haroun, elle pousse ça. Mes condoléances, madame Haroun, elle pousse. Mes condoléances, mes condoléances, pardon. 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 Qu'est-ce qui se passe ici? Mes condoléances, madame elle pousse ça. Merci. Vous êtes gentil. Vous n'êtes pas au courant? Mes condoléances. Mais évidemment, non, ne me dis jamais rien à moi. Mais moi je... Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le calife n'est plus... Il est mort? Il est mort? Il est mort ou il est pas mort, hein? Il est mort? Oui. Je rêve, hein? Ah bah non, non, pas... Mais tu pouvais pas me le dire avant? Mais je voulais! Je voulais! Mes condoléances, madame elle pousse ça, je... ça va, hein? Mais comment dire, c'est horrible, bien sûr, hein? Mais c'est sûr? C'est arrivé quand? On l'a retrouvé ce matin, étendu dans son lit, inerte. Je lui ai raconté une blague, aucune réaction. Et pourtant, elle était bonne. Merci, vous êtes bon. Oui, c'est terrible. C'est... Alors, les condoléances, non, j'ai assez. Pareil que lui, pareil. Ça va, ça va, ça va. Alors, c'est l'histoire de... Ça va. Mais vous l'avez vu, vous? Je veux dire, c'est sûr comme un faux. Parce que si jamais c'est faux, c'est terrible comme blague. Hmm? J'en ai fait empaler pour moins que ça. Hein? Pareil. Pardon. Pareil. Mes condoléances. Pareil. 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 On peut entrer? Dilate, mon fidèle serviteur, est-ce que tu me donnerais une énorme claque? Avec plaisir. Oh, donc je rêve pas. Toi, tu perds rien pour attendre, hein? C'est vous qui m'avez... Bah, je t'ai pas demandé de t'en réjouir. Allez, sortez! Toutes, sortez! Allez, allez, sortez, sortez, allez! Toutes! Alors, comment il va, le Rompépère, hein? Il était mort, il était tout mort, il a mangé un loukoum de drôle, le Rompépère. Oh, j'en reviens pas.
gueule, ce gros nul! Ça fait des années que je me tue à vouloir l'éliminer, que je dépense une fortune en mage, magicien, sorcier, machin vénéneux, truc-muche maléfique, et lui, il crève tout seul. Oh, j'y crois pas. Ah non, mais jusqu'au bout, il m'aura cassé les keftards. Oh, oh, bah c'est bien, t'apprends vite, hein? Commandeur des croyants! Oui, c'est comme ça que je m'appelle maintenant. Mais alors, ça y est? Je suis calife! Je suis calife! Faire le mort toute la matinée, c'est drôlement fatigant, mon bon Iznogoula. Mais comment, des croyants? Hop. Je... Ah non, pas ce coup-là, non. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon bon Iznogoula? Mais vous avez un nouveau collier. Ah oui, il est beau, hein? Entièrement brodé, or et diamant. En tout cas, se faire passer pour mort afin de jauger l'amour de tout mon peuple, c'était une idée formidable, mon bon Iznogoud. Ah bah oui, c'est mon idée. C'était aujourd'hui. Bravo. C'est gentil de prévenir les copains quand vous faites un coup comme ça. Oh, j'ai oublié. Il se faisait passer pour mort et moi je devais être en vacances, loin à ce moment-là. Alors forcément, ça me faisait un super alibi. Et quand je rentrais, complot, conspiration, traître, et hop, tout le monde nous oubliait, tu y zigouillais. Et moi, calife, la place du calife. Mais j'ai oublié que c'était aujourd'hui. Je suis sous pression en ce moment, tu comprends? Je suis sous pression. C'était une idée formidable. Seulement, le peuple est très malheureux maintenant. Et oui, il m'aime tellement, tu comprends? Ah oui. J'en suis tout retourné. Ça me donne envie de pleurer. Oh, moi aussi. Alors allez, va dire qu'il y a eu un miracle, hein, que je suis ressuscité, que... Enfin, je te laisse faire, tu feras ça très bien. D'accord, super. En plus, ça va les impressionner. Politiquement, un miracle, ça peut être que bon, non? Ah, ça y a pas mieux. Oh oui, oh, c'est trop fort. Bon, ben voilà, je vais aller leur dire tout de suite, parce qu'après, ils vont être trop malheureux. Oui, oui, allez, vas-y, et mets bien du suspense, hein, avec des petits piments. Ah, allez. Patron, faut vous débrouiller pour qu'on pense que le miracle a eu lieu grâce à vous. C'est bon, ça, non? Ah oui, c'est très très bon, ça. Regardez-le se réjouir, traître. Moi, j'en ai pas, moi. Mes amis, il vient d'y avoir un véritable miracle. Et oui! C'est fou ce qu'il m'aime, hein? La grenouille, patron? Contre un imbécile heureux pareil, dilate, il faut plus qu'une simple grenouille. Beaucoup plus! Arrêtez d'hurler.
fait ton marchand, Dilat? On a déjà perdu un jour. Il arrive, patron, il arrive. Parce que si avant la fin de la pleine lune... Je sais, patron, je sais. Il y a un génie dans chaque lampe. On dit un djinn dans la langue des Mèdes. C'est un marchand Mède. Et ils sont très à cheval sur les mots. Oh. Imagine le génie. Ça peut faire mal. J'arrive, j'arrive! Hé, Dylan! Hé, Med! Hé, Med! Patron, le Med in Japan. Salam et bienvenue dans mon humble et misérable caverne. Noble vizir, voulez-vous vous asseoir? Nous serons plus à l'aise pour parler. Voilà. Je vous écoute. J'ai besoin d'un génie. Oh, vous voulez dire un djinn? Oui, voilà. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Je veux juste un djinn. Un djinn qui obéisse au doigt et à l'œil. Un djinn tonique. Voilà, mais surtout qu'il soit très, très fort. Et puis très... Et tais-toi! Et très, très méchant. Et pas très grand. Pour les voyages, c'est très pratique. Faut que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... Oh, croyez-en mon expérience. Il vaut mieux une petite qui fonctionne qu'une grande... Oh, qui ça va, je sais. Je sais, ça va. Hein? Frottez, patron. Non, il faut cliquer. C'est nouveau, ça vient de sortir. Allez-y. Faites-moi plaisir. Ça marche pas? Ça le fait, hein? Ça vient d'Asie. Ils sont costauds là-bas pour miniaturiser. Vous voulez essayer? Oui. Oh oui. Vas-y. Dis-moi. Ben oui, puisque tu l'as dit. Alors, t'es fort, toi? Oui. Ouais. Et ça là-bas, qu'est-ce que c'est? Ah ça c'est ma collection personnelle, et pas à vendre. Beaucoup de curiosités, des trucs bizarres comme ça, mais surtout pas à utiliser. Chérie? C'est ma 12e femme, pardon. Oui, mon petit loukoum à la rose numéro 12. T'as du foie, faut que je fasse à manger. C'est ma préférée. Avec la 5, la 9 et la 14. Pardon, je vais allumer le feu et je reviens. Attends, il vaut mieux pas toucher. Je clique. Attendez. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai pas monté, hein. J'ai cliqué.
c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. Oh, mon maître. Mon maître. Non, mon maître à moi. Mon maître à moi. À moi. À moi. À moi. Non, c'est mon maître. Non, c'est à moi. Et à moi. Non, c'est mon maître à moi. Oh, à moi. À moi. À moi. Stop. Ça suffit. Prums, non, c'est moi, Prums. Quoi? Aïe. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il a? Faut s'en débarrasser, patron, c'est des calamités. Attends, attends, ils sont hargneux. J'aime bien. Comment tu t'appelles, toi? Ouz. Et toi? Ouz Moto Sulubulu Bombay. Bon, dis-moi, Ouz, tu dois m'obéir, c'est ça? Totalement. Je voudrais me débarrasser de quelqu'un. Le tuer? Oui. Il aurait dû en miettes? Oh, oui. L'écrabouiller? Oui. Qu'il ne reste rien? Rien. Même pas les trous de nez. C'est pas légal. Tu le ferais, toi? Ah bah non, c'est pas légal. Alors vous servez à quoi? Eh ben on peut faire plein de trucs, mais ça, c'est pas légal. Non. Pas de débarrassement d'eux, ils servent à rien! Bon bah, rentrez dans la lampe! Voilà, voilà, à chaque fois c'est pareil. C'est pas légal, c'est pas légal, et puis voilà. Mais bien, on rentre! Je suis vert. Non, c'est moi, ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, puis en plus, il y a de l'huile au fond, là. J'ai grossi ou quoi? Allez! Ce jean m'a l'air un peu serré. Allez, on rentre, on discute pas! Mon maître, moi je peux pas rentrer. S'il vous plaît, ils sont pas bons. Et lui, rentre, il dort! On rentre à la maison. Vous savez, on peut servir à plein de choses, hein? Si c'est légal. Mais tais-toi, tais-toi. Plein, plein. On peut transformer votre vie. Vous nous appelez et on vient. C'est très pratique. La lampe. Des vacances à la montagne. Oh. Peut-être qu'il préfère la mer. Eh, tu préfères la fille, hein? Hop. Oh. C'est pas légal. Tais-toi. Ou de Beau Canyon. Attrapé. C'est pas ce qu'on appelle un coup de génie. Non, on peut même dire que ça tombe à pic. Libre. Merci, mon maître. Non, mon maître. Libre. Mais je ne veux pas de vous. Ok, là, vous êtes un petit peu énervé, mais si un jour vous avez besoin de nous, vous nous appelez. Et on vient. Ouz Moutou, Soulou Boulou Bombay. Tu fumes trop. Ouz Moulou Boulou Zoulou. Disparu. Bol, les pâquerettes. Généraux, dépêchez des hommes à tous les coins du pays. Qu'on fouille les villages, les djebels, les montagnes, les vallées, les déserts. Dans les souks. Hein? Dans les souks. Les souks aussi. Ah oui, elle est peut-être allée faire des courses. Hein? Et les boîtes de nuit, oui. Ça suffit! Si je tiens le salopard qui a enlevé ma fille, je vais lui faire passer le plus sale quart d'heure de sa misérable vie! Ah! Oh. Il peut pas. Hein? Il peut pas. Un peu plus fort quand même. Il a tué les chambres des présidents. Et les chambres de tous les princes du royaume aussi. Où est ma fille? Je vous conseille pas de me mentir. J'ai passé la nuit à écumer tous les lieux de débauche du sultanat. Je suis extrêmement énervé. Mais je sais pas, votre grandeur. Votre majesté. Votre altesse, votre seigneurie. Votre fille. Mais votre majesté. J'ai pas vu la princesse depuis plusieurs jours. Plusieurs semaines. Depuis longtemps, hein. Je l'ai pas vue depuis des mois, la princesse. Des années, même. Nous sommes à peine des connaissances. Nous sommes juste des copains. Des amis. On se connaît un peu, comme ça. Mais il s'est jamais rien passé entre nous. Avec votre fille. Oh non. Jamais, hein. Jamais. Jamais, au grand jamais. J'aurais osé poser... ma main sur elle. Jamais, je n'aurais osé porter mon... Pénétrer le cercle familial. Hein. Non. Ouais. Bon, bah c'est la dernière fois que je me tape une fille de roi. Oh, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, patron? La pleine lune d'azout, ça, voilà ce qu'il y a. Figurine vaudou, figurine. Qu'est-ce que t'as donc? Non. C'est quoi ces saletés là? Patache Koumoun. Tu lâches Kou, il a lâche Koumoun. Ah. Mon cœur. Non, il me faut un truc plus marrant. Allez. Formule d'invisibilité. C'est quoi ton truc?
une formule magique, noble seigneur. Vous prononcez Alagazam, suivi de trois fois. Et la personne que vous regardez au fond des yeux disparaît illico. Paye. Attention, vous n'avez le droit qu'à trois fois. Allons tout de suite essayer ce maléfice. Oui, patron. Toi, hein, pousse pas. Oh, toi. Une pièce, noble vizir. S'il vous plaît. Merci. J'adore voler les pauvres. C'est un bon petit marin, ça, hein? Vas-y, vas-y, vas-y. Et maintenant, attention, c'est le lot du jour. C'est de la qualité. La preuve, la petite beauté, la qualité. Viens ici aussi, passe par là. Regardez-moi ça. Pretty woman, une princesse. Ah, je vois, monsieur, je vois aussi, monsieur, ça vous plaît bien. Pretty woman, une belle princesse. Et place assise sa servante, qui est gratuite avec un chat de la princesse. Pas de l'autre côté, chérie, donne-moi ça. Merci beaucoup. Attention. On rigole plus. Elle est belle. Elle est fraîche, elle est bonne, elle est enlevée d'hier, et je crois qu'elle n'a jamais connu le lion. Ah, j'en vois que ça commence à intéresser par là-bas. Qu'est-ce qu'ils me veulent, lui? Attention. Devinez. Est-ce que tu me trouves beau? On y va, patron? Pas mal, non? Les enchères vont partir, vous êtes prêts? Patron, à tout ça. À tes souhaits. Elle m'a regardé, là. Qui? La princesse. Elle m'a regardé. Non. Quoi non? Je t'ai dit qu'elle m'a regardé. Vous avez vu cette dague? Il a une très grosse dague. Grosse dague, grosse bourse. Bon, on y va, patron. C'est une princesse et sa servante est gratuite. Moi? Oh, bah enfin, patron. 300 000. 300 000 pour le petit monsieur avec la plume rouge. Il est un peu rein, non? On est timide aujourd'hui. C'est pas beaucoup. Alors? Attention, Aladdin. J'ai 300 000 piastres. C'est le grand vizir. Je t'ai jamais demandé. On peut faire mieux. T'as une femme, toi? 300 000. J'ai 300 000 dedans. Oh. Allez, on peut y aller parce que là, c'est de la belle qualité. C'est du sauvage, pas de l'élevage. Elle est belle, elle est fraîche, elle est bonne. Elle a des dents. C'est les perles de culture. Et sa servante est gratuite. Alors, 300 000. Mais personne ne va oser se renchérir. Elle a raison, Yasmine. 300 000 une fois. 300 000 deux fois. Et 300 000. 310 000. 310 000. Oh, quand même. Bravo, monsieur. Et c'est le prince du désert. 310 000. Je croyais que c'était une légende. Alors, 310 000. Ça devient même intéressant. 310 000 là-bas au fond. Bon, on y va, patron, là. 400 000. 400 000, oui. Il est moins beau que moi, non? 400 000, oh. Une fois. N'oubliez pas la servante en cadeau, c'est un petit cadeau, mais c'est un cadeau. On sait. 400 000, une fois. 400 000, deux fois. Et 400... 10 000. Oui. 500. 10 000. 510 000. 510 000 au fond, hein. 510 000. Il montera pas plus. Je vais lui faire monter, moi. Allez, on peut y aller parce que là, c'est de la belle qualité. Elle s'appelle Pretty Woman, c'est une princesse. Elle est belle, elle est fraîche, elle est... Quoi? Un million de piastres! Voilà. Oui! Patron! M'en fous, je compterai les impôts! Oh, j'ai un million dedans! Un million! Un million une fois! Un million deux fois! Et un million! Un million! Million! Ah, oui! Ah, deux millions! Deux millions! Deux millions!
2 millions. 2 millions d'euros ! 2 millions ! C'est bien, c'est bien ! Elle est super belle ! Elle est super bonne ! Elle est super fraîche ! Elle a des dents ! C'est le père de culture ! Et sa servante ! On s'en fout ! 2 millions une fois ! 2 millions deux fois ! Je suis épuisé ! 2 millions ! 3 millions ! 2 millions ! Non ! 4 millions ! 5 millions ! 6 ! 7 millions ! 8 millions ! Patron ! 8 millions ! C'est bon ! Oh oui, oh oui ! Allez, un petit effort ! Elle a des formes qui vous mettent en forme ! Yeah ! Moi, je t'aime ! Je suis beau ! Je suis grand ! Je sais même plus à combien on en est ! À combien on en est ! Une pièce ! Une pièce là-bas, oui ! Non ! Mais non, quoi ! Tu rigoles ou quoi ? Arène du calice ! Droit de préemption ! Non ! Non ! Non, pas le harem du calife, au secours ! Dans celui-là, vous risquez pas grand-chose. Une piastre. Une piastre. Bien. Une piastre une fois. Mmh. Une piastre deux fois. Mmh. Une piastre trois fois. Mmh. Adjugé. Mmh. Bandu. Top là. Allez. Ben dis donc, c'est les soldes. Quand t'as mis un pied dans un harem, tu peux toujours courir pour refaire ta vie. Le harem, c'est la mort du couple. Ducal. Nous allons nous échapper. Il faut juste attendre les moments propices. Cette petite pièce ridicule t'a l'air coûter très cher. Oh. Alors, mon boy Snowgood, tu fais tes courses toi aussi ? Oh, que je suis bête. Tiens, parle dans le tuyau, c'est rigolo. Tu fais tes courses toi aussi, mon boy Snowgood ? J'ai quelque chose à vous dire, commandeur des croyants. Vas-y ! Je t'écoute, mon ami fidèle. Dilate, quelle est la phrase magique qui fait disparaître déjà ? Vite, j'ai un trou ! À la gazane, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux plus... Stop ! Elle va me faire disparaître, abruti ! Excusez-moi. Stop ! Quoi ? On n'est même pas sûr que ça marche, faudrait la tester avant. À la gazane, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. Non ! Mais alors ? De quelle sagesse vas-tu encore me faire part ? Regardez-moi bien dans les yeux, c'est tout. À la Gazam, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir ! J'ai rien entendu de ce que tu m'as dit. On se retrouve au palais, hein ? C'est un prodige. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? C'est fou ce que le peuple mène. Incroyable. Très beau. Ce calife est le plus grand de tous les califes. Mais qu'est-ce que tu mets ? Ce type est trop fort. Oh, très très fort. Bravo. Arroune. Hé, hey, chapeau. J'ai une côte d'enfer. Là, vous y allez un peu fort, patron. Je suis amoureux.
Ça va? C'est chaud. Ça brûle. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Pas une potiche, qu'un l'air si douce, une vraie gazelle. Ça me rend crétin, un vrai pois chiche. Ça me rend crétin, un vrai pois chiche. J'ai rencontré un très bel homme. C'est mon sauveur, c'est mon soleil. Je l'aurais bien mis dans mon album. Rien que d'y penser, je plus sommeille. En plus, il est bourré d'oseille. L'amour vient quand on s'y attend pas. Je crois que j'aime, j'ai jamais connu ça. Pour une fois que j'aime, je suis dans un harem. C'est drôlement drôle, la vie quand même. L'amour vient quand on s'y attend pas. On n'a même pas pu se dire qu'on s'aime. C'est drôlement drôle, la vie quand même. C'est drôlement drôle, la vie quand même. D'être calibre, c'est plus la peine. Ouais, Salim, tu mets une veine dans ton boulot, toi ou pas? Sinon, ton couscous, il a pas de goût. Extinction des feux. Tout le monde au lit. 5 minutes, hein. Les femmes, on est toutes pareilles. Je n'ai marre de leurs pompons et de leurs pamphrelous. Je vais leur montrer qui je suis. Soyons prudentes, si jamais quelqu'un apprend que nous... C'est l'homme de vipère. Eh bien, allons plus loin. Il ne faut faire confiance à personne. Ça ne doit quand même pas être sorcier de s'échapper. Il y a des trous partout. Il faut juste tromper la vigilance des gardes. Oh, bah s'il s'agit de tromper... Ah bah oui. On est doués. Ils sont pas bien nombreux. 1, 2, 3, 4... Et 4, 8. Notre secret ne doit jamais être découvert. Allez. Neuf, dix... Ah oui. Voilà, je crois qu'ici personne peut nous entendre. Si jamais quelqu'un apprenne... 12. Retour sur le boulot bambé. Il a dit 11. Retour sur le boulot bambé. Non, j'ai dit 12. Retour sur le boulot bambé. Espèce d'abruti, vous avez fait fuir la princesse. C'est lui. Pourtant, on était sûr que vous aviez appelé. Oui, oui, sûr. Il allait révéler quelque chose de capital. Chut, on va l'écouter. Ah oui, bonne idée, on va l'écouter. On ne peut plus rien écouter, ils sont loin. Tu as vu ce que j'ai vu? Une grande asperge, avec une aubergine géante. Qui sont sorties subitement? Oui. Oh, je veux quitter cet endroit maudit. J'ai peur. Je vais tout leur révéler. Soyez prudente, princesse. Personne ne doit savoir que vous êtes... Quoi? Que vous êtes la fille du sultan Poulmankar. La fille du sultan Poulmankar? Poulmankar le sanguinaire? Mais c'est énorme, ça! Gat, depuis quand t'es revenu? Bah, je vous ai jamais quitté, patron. Allez, continuez! Vous chantez bien, patron. Mais bon, bah, ça va, ça va. Oui, continuez! Si jamais on l'apprend, le risque est grand. D'autant que le grand vizir est, paraît-il, un homme méchant, une bête immonde, un monstre, un sauvage, une brute épaisse. Un quoi? Hein?
Un quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Elle veut que je la fasse son palais! Hein? Attendez, j'entends plus rien! Moi, je capte! T'es pas capte? Si, je capte! Quoi? Il faut attendre le moment propice pour s'échapper. Mais comment le palais est gardé? Je sais. Et l'homme qui a voulu nous acheter tout à l'heure, il faut trouver un moyen de le contacter. Mais c'est un prince du désert. Il est déjà reparti. Il ne reste pas longtemps en ville. Mais non, pas lui. L'autre. Ah, le petit avec le gros pif et la grosse dague. Lui. Continue, j'arrête. Continue. Il est petit, mais il... Il quoi? Il a beaucoup d'allure. Tant mort, elle a pas dit beaucoup d'allure. Tu triches. Bah là, elle raconte des tas de saloperies sur vous. Vous êtes un rat, un abo, vous avez une toute petite dague. Et elle aurait préféré que ce soit l'autre, le grand, le beau, le prince. C'est vrai, je confirme. On a du boulot. Oui. Bon, récapitulons, parce que la dilate, faut pas se gourer. Primo, la jeune, jolie, ingénue, virginale et malpolie princesse. Et par le plus grand des hasards, la fille chérie de Poulmanka. Deuxio, sans le savoir, ce gros nul tarou noir a acheté pour en faire sa femme. L'imbécile. Cette princesse mal polie. Tertio, si, par le plus grand des hasards, hein, Poulmankar découvre que sa fille chérie est vouée au harem du gros, peut-être alors récompensera-t-il celui qui lui aura appris le lieu de captivité de sa fille. Moi. Peut-être même lui permettra-t-il d'être calife à la place du calife. Or, moi. Et peut-être même lui donnera-t-il la main de sa fille en guise de remerciement. Re-re-re-moi. Mais... Patron, je croyais que vous l'aimiez plus. Mais je ne l'aime plus. Je veux juste l'épouser. Comme ça, le jour où Poulmankar meurt, accidentellement, je deviens même sultan à la place du sultan. C'est pas lui, là? Mais non, c'est l'autre. Mais pour l'instant, on se contentera de ça. Ah, oh, tu entends? Des chacals. C'est de bon augure, ça. Oh, cette fois, j'y crois, patron, j'y crois. Allez, nous partons, Fissa, voir Poulmankar, le sanguinaire. Hé hey, mais t'as deux jours de cheval. Comment ça, deux jours? Plus deux jours pour revenir, et ben ça sera trop tard. Parce que c'est à la pleine lune d'Azurchin. Ici. Tapis magique? Oui. Vous montez sur mon tapis, mon maître? Oh. Oh non, sur le mien! Non, le mien! Le mien, il est mieux! Bien. Ça suffit! Tel Salomon le Grand, je ferai l'aller sur un tapis et le retour sur l'autre. C'est bien ça? Ouais, c'est équitable. L'aller sur le mien! Non, le mien! Le mien! Moi! Ça suffit! Je ferai l'aller sur celui de Ouz. De Ouz. Bah, et le retour sur l'autre. Voilà. Ouz Moutou Soulou Bouloubambé, c'est pas compliqué comme nom. Silence. Salomon, il aura pas fait de différence. Viens. On se retourne.
Restez assis pendant le décollage, s'il vous plaît. Mais tais-toi. En avant, c'est Pullman Car le sanguinaire. Comme je vous disais, mon maître, il y a 6 vitesses, des freins à l'avant et à l'arrière, et grâce à ses grosses franges sur les côtés, il a une tenue de ciel particulièrement remarquable. Le mien aussi, hein. Tous les bons tapis... Et là, tu parleras du tien en retour. Et puis, il est facile à utiliser. Vous demandez où vous voulez aller, et il y va. Et puis, il est silencieux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on l'entend pas. Lui. Enfin, une petite frange à changer de temps en temps. Un nettoyage de printemps. Eh, tu vas nous prendre la tête comme ça pendant tout le trajet? C'est à moi que tu parles! Are you talking to fucking to talking to fucking to me? Oh, se calme, hein! On regarde devant et on continue! Oh. Parce que l'important, c'est que je sois ce soir chez Pullman Car. Ah bah, on pourrait même y être avant déjeuner chez Poupou, là, parce que là, on se traîne, hein. Quoi? Vous voulez aller plus vite? Mais évidemment que je veux aller plus vite! C'est à la pleine lune d'Azucha! J'ai une manette surprise. Bouffon. Tenez ça! Quoi, tenez c'est ça? Toi, le bouffon! 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 Ah, bouffon! Ah, bouffon. Ah, voilà. Arrêtez! Pilate! Mais fais quelque chose! Bouffon! Arrêtez! Bouffon! Ça vole pas haut. Des fois, je me demande pourquoi je te paye. Oh, mais vous ne me payez pas, patron. Il paraît que comme supplice, ils vous mettent la tête dans le cul d'un chameau. Au moins pour vous, c'est déjà fait. Tiens, tiens. Et si vous laissiez tomber, patron? Jamais. Mais c'est foutu. Jamais, tu m'entends, jamais. Allez, on se traîne. Allez, faut y aller. Je serai calife à la place du calife. Lui, un calife. Le chien. Amenez-le-moi tout de suite que je lui coupe la tête. Tout de suite, c'est pas possible. Il est au palais, tranquille, en train de se préparer pour sa nuit de noces. Le chacal. Je vais lui faire manger sa langue. En train de réviser toutes les positions du Kama Sutra avec l'eunuque. Oh, le serpent! Serpent! Je vais faire un nœud avec ta queue! Pour qu'il enseigne à ta fille des tas de vilaines choses. N'en fais pas trop. Sinon, je te fais avaler du sel et je te noie dans ta salive. Alors que ta fille est tellement gentille. Le rat! Le rat! Je lui arrache les boulettes. Pour lui enfoncer dans les trous de nez. Non, c'est vulgaire, ça. Oui, mais ça fait mal. Oui, mais c'est vulgaire, j'aime pas trop. Général Ball, Général Hippocrate, faites préparer notre armée, que nous soyons prêts avant le lever du jour. Nous arriverons à la deuxième nuit, pile pour le mariage. Quant à toi, It's No Good, pars immédiatement organiser mon entrée triomphale. Patron. Reste là, et viens là. On lui donne le meilleur de mes étalons. Sire, votre cuirasse. Oh, après-demain, nous serons dans la chambre d'Haroun le traître. Et nous le pendrons par les pieds à son balcon, comme un vulgaire dindon. Et
et nous le lâcherons pour qu'il s'écrase comme une pitain pleine de houmous. Oui. Et? Et des falafels. Non. Shawarma? Mais non. Hein? Et tu seras calife à la place du calife. Yeah! Oh, j'adore ça. Non, pas celui-là, c'est le mien. Ah. Patron! Sire, la barbe. Oui, la barbe, t'as raison. Allez. Oui, mais ça fait un peu plus viril. Allez, dépêche-toi. Ça suffit. Qu'est-ce que j'ai dit? Faut faire un peu plus court, peut-être. À pied! À cheval! Oh. À babouche! Nous irons te chercher, ma fille! Je fuis. Ce soir, ça va être ma fête. La 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 la. Ce soir, ça va être ma fête. La 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 la. Ça va être ma fête. Merci, gentil page. Allez, vite, 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 vite. Faut que tout soit prêt pour ce soir, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, 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 non. Vous ne verrez rien. C'est une surprise. Ah, oh, tiens, j'en ai une. Le plus grand calife de tous les temps en quatre lettres. Vous. V-O-U-S. Quatre lettres. Pas mal, hein. Elle est pas mal. Mais non. Moi, M-O-I, ça fait trois lettres. Non, parce qu'en fait, c'est une blague. Ou alors sinon, il y a l'histoire du derviche que j'ai pas pu vous raconter l'autre jour, vous étiez... Ah oui, derviche, huit lettres. Ah oui, elle est bonne. Elle est très bonne. Prochaine fois. Dommage, je l'aime bien. Moi, je voudrais voir mon bon Is No Good. Je l'ai pas vu depuis plusieurs jours, je m'ennuie de lui. Peut-être qu'il m'a préparé une surprise, lui aussi. Je n'en doute pas. Attention à la plume. Oui, surtout que c'est votre 250e mariage, ça compte, hein. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu as prévu à manger pour le mariage? Ah, mais ça aussi, c'est une surprise, hein. Ah. Allez. Parce que j'aime bien leur cuisine dans le harem. Ah oui. À ce soir, j'ai beaucoup de travail. Et les bouchers à l'harem. Mmh. D'accord, d'accord, d'accord. Et aussi les moules à l'harem. Mmh. Oui. Allez, 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 allez. Allez, oh là là. Allez. Voilà. À ce soir, hein. Eh, hey, une tarte à la reine. Elle est drôle, celle-là, non? Tiens-toi bien, Aaron. L'heure de ma vengeance approche. Qui est là? C'est moi, Pretty Woman. Qui, moi? Moi? Oh. Oh, Pretty Woman. Oh, Pretty Woman. Oui, oui, c'est mon nom. Oh, Pretty Woman, depuis que je vous ai vu au marché, je n'ai cessé d'espérer. Oui, oui, et bien moi, pareil. Est-ce que vous pouvez me faire sortir de cette prison? Oui, 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 mais... Pretty, ex-
Accepteriez-vous de devenir ma femme? C'est-à-dire, il y a les protocoles. Tout ça, nous n'avons pas été présentés. Oh, pardon! Pardon, vous êtes une vraie jeune fille, j'oubliais. Ah, alors laissez-moi me présenter. Je suis le grand vizir Isnogoud. Ah oui? Ah bon? Le grand vizir? Ah quand même! Ah bon? Le sultan Poulmankar arrive avec son armée. Il vient vous délivrer. Hein? Chut! Ne me demandez pas comment. Mais je connais votre secret. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que vous étiez l'homme de la situation. Je mettrai ma fortune, mon pouvoir à vos pieds. Ah bon? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Bientôt, tout cela sera à moi. Et quand je dis tout, tout! Les diamants, les rubis. Tout. Ah oui? Attendez, j'adorerais être une vizirette. Et une califette. J'adore les califettes. Elle promet? Elle promet. Ce soir, vous serez libre. Vous pouvez m'aider, j'ai les doigts coincés. Du bruit, il faut que j'aille. Ben non, j'ai les doigts coincés. Mais je m'ennuie, moi. Ce 250e mariage s'annonce très mal. Mais pourquoi vous dites ça? Venez tout droit. Venez. Place assise. Bien. Et place assise. Est-ce que tu sais quel est le plus grand calife de tous les temps? Oh, ben vous. Ben oui. C'est ça, mais là, c'est pas drôle. J'ai dû oublier quelque chose. Normalement, c'est drôle. Ben, quand on aura assez de te balader dans le jardin, tu rentres dans le harem, mais tu claques bien la porte pour pas que les autres attrapent froid. Parce qu'après, il faut les réchauffer une par une et il y en a beaucoup. C'est fatigant. Ben, je vais retourner. Bon. Non, par là. C'est pareil. Je m'ennuie. Hé! Hey. Hé hey, oh! Pousse-nigo! Pousse-nigo, pousse-nigo, pousse-nigo! Hé oh! Pousse-nigo! Hé oh! Pousse-nigo, 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 pousse-nigo! Hé oh! Pousse-nigo, pousse-nigo! Hé oh! Pousse-nigo! Hé oh! Pousse-nigo! Mais où elle est? Aïe! Aïe! Oulala! Aïe! 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 Ouille! Ouille! Oh! 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 Place assise! J'ai mis encore un peu de terre glaise, ça soulage. Bon, alors il en reste juste une, hein? Ouh! Oh! 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 Ça fait mal? Non, non, très bien. C'est comme une fois, je m'étais assis sur un porc épic. Pareil! Eh, hey, ça va mieux les doigts? Parce que ce soir. Eh, c'est la nuit de noces. Oh, toi, tu fais une rigolade alors, hein? Ce soir, c'est la nuit de noces. Oh. Je dérange? Ah non, non, je m'en allais. Eh, hey, psst, je claque la porte. Ce soir, c'est la nuit de noces. Oh, c'est drôle, mon bon Isnogoud, non? Très! Beaucoup d'humour! Ah, allez, ça va être ma fête. Quoi? Notre armée arrive? À cette heure-là, elle est peut-être même déjà à Port du Califat. Elle est belle, ma robe, non? Mais ils vont saccager tout le palais! Oui, tout! Et ma coiffe? Elle est top, hein? Mais la vengeance des Poulmankar est légendaire! Ils vont massacrer tout le monde! Oui, tous! Nous serons bientôt libres. Mais, pretty woman, le calife est un homme bon, il est gentil, il est... Oh, il n'est pas responsable de notre captivité. Il connaît même pas notre véritable identité. Mais il faut empêcher cette tuerie! Oh, dame! La machine infernale est en route! Vous n'avez pas le droit! Mais vous ne pouvez pas faire ça! Nous
ne nous met pas vers ta. Mais non, attendez. Silence, femme. Ah, celle-là, il n'y a que comme ça qu'elle est supportée. Aujourd'hui, il ne faut pas m'énerver. Allez. Toi, tu restes là, moi, je reviens. Hein? Et bientôt tout ça. Oh non. Et maintenant, Haroun. Son Altesse l'ambassadeur de Mongolie. Son Altesse Ibn al-Achwar, ambassadeur d'Arabie. Ah, Altesse, ça par contre, on en avait déjà. C'est pas grave, on va le changer. Allez, on se dépêche, il y en a d'autres, il est dégâté là. Hein? Son Altesse le grand fakir Koutkan. Voici le chèque cadeau. Comme je ne savais pas bien quoi offrir aux jeunes mariés, j'ai préféré laisser un chèque. Oh, c'est très bien un chèque. Allez, on se dépêche, il y en a d'autres. C'est pour qui les oursins? C'est pour qui les oursins? Oui, 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 oui. C'est... Là. Ah. Ah. Ça va mieux. J'ai les fesses tellement fragiles. Un petit cure dent? Ah, je veux bien, oui. Ah, il est là. Tu as vu Snow Good? Et le calife? Pourquoi? Mais vite! Oh, ben, je l'ai laissé dans la salle du trône, non? Moi, c'est Ouz Koukoulé Mousmé. Moi, c'est Ouz Moutou Souloubou Bombé. Oh, y'a de la gêne là où tu te mets. En tout cas, je suis vraiment bien tombé. Il était là tout à l'heure. Il a disparu. Où est le calife? Qu'est-ce qu'on fait, conseiller? Je suis totalement impuissant. Oh, pardon. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, vous êtes là, mais on vous cherche partout. Qu'est-ce que c'est? Vous vous mariez? Oh là là, j'ai fait un gros dodo. Vite, arrête, vite, allez. Oh, lui fait très mal. Ça bouge. La danse nuptiale a commencé. Oh, allez, vite, allez, 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 on se dépêche. Comme dit le proverbe, pleine lune, pas de quartier. Ils sont mariés. Chut. Pas encore. Et il reste des trucs à manger? On sait pas ça. Conduis-nous vite. Oui, oui, oui. Faites silence, l'effet de surprise doit être total. Hein. Coupez! Heureusement,
Chers amis, s'il vous plaît, la cérémonie va bientôt commencer. Déranger, c'est pas du tout ça. T'as vu ta casse-bas, toi? Oh, enfin, c'est n'importe quel rythme dans la peau. Pretty Woman m'a dulciné. Tu as juste à dire oui, et ce soir, nous sommes ensemble dans la suite royale. T'as déjà fait ta grattote dans une suite royale? Ah ben oui, évidemment. 30, 40, 50, beaucoup, beaucoup. Bah allez, vas-y, vas-y, on t'attend, là. 200, peut-être? Ça va pas, non? Nous allons maintenant procéder à l'union de notre calife bien-aimé, commandeur des croyants, et de sa nouvelle femme, deviendra la 250e du nom. 250, c'est très important. Comme c'est touchant. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Oui. Oh. Oh. Il n'y aura jamais assez à manger pour tout le monde. C'est de l'or! Mais non, c'est pas de l'or! Mais si, si, c'est de l'or avec trois rubis. Et ça. C'est du poulet, ça? Ben non, c'est du pain. Pain! 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 Comme des barbares! J'ai quelque chose à dire! Papa! Attendez! 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 Là, votre emblème, c'est important quand même! Voilà! Là, c'est parfait! Là, c'est parfait! Oh! Ici! Oh, mais faut l'aider! Ah! Attendez! Ah, ah oui! Oh, c'est dommage, vous avez raté l'Arrabbiata. Alors comme ça, tu veux épouser ma fille sans le consentement de son papa? Hein? Ta fille? Oui, ma fille chérie, ma fille unique. Mon cher cousin, je ne connais pas ta fille. Mangez pas tout! Ah bon? Tu connais pas ma fille? Tu te moques de moi? Baby. Je vais te faire décapiter. Te faire empaler. T'arracher la langue. Oh, les boulettes. Où est-elle? Où? Ah! Où est-elle, ma fille? Où? Bah elle est là, oh, c'est la mariée, alors. Mais non, elle c'est Pretty Woman, la dame de compagnie de ma fille. Et Pretty Woman, je t'ai confié ma fille. Où est-elle? Papa! Qui, papa? Papa! Mais qu'as-tu fait, Pretty Woman, ma fille? Mais enfin, mon bon Is No Good, il y a le mariage ou il n'y a pas le mariage? Mais vous allez me lâcher les babouches, oui! Il n'y a pas de mariage! Il y a eu un enlèvement, ma fille! Oh. Oh. Qui, bébé? Place assise. Ma princesse. Ma fille. Mais qui t'a fait ça? Oh,
minable. Comment, toi? Un simple vizir, un vulgaire ver de terre, une larve répugnante qui pue des pieds. Oh. Si. Tu as osé lever la main sur une fille de sultan. Là, ça s'assise. C'est sa plaza. Sa fille, à lui. Nous avons échangé d'identité, comme nous ne savions pas chez qui nous allions tomber. Tu es bien la fille de ton père, rusée comme lui. Mais nous sommes tombés chez l'homme le plus bon, le plus gentil, le plus généreux que j'ai jamais connu. C'est qui? Bah, Pousse-digo. Oh, l'amour. Ça m'émeut. On l'attache à mon dromadaire. Demain, je l'amène en captivité. Oui. Il va comprendre ce que c'est que le supplice du chameau. D'accord. Attends. Pousse. Flouze. Touloutouze, barlouze, popouze. Barbouze, ventouze. Ah, comment est-ce que ça plouze? T'as pas ça comme ça, t'as pas déjà là-bas. Ah non. Pousse. Mais on se marie nous plus, alors. Oh, dis donc, le 250e sera été quelque chose. Embrasse-moi. Bien fait. Tu veux jamais au cinéma, toi? Yeah.
calme, mais je trouve ça classe. C'est qui t'embrasse pour te faire une crasse? Vas-y, dis je moi, je te pique ta place. Encore moi, moi, allez, moi, tu t'effaces. Toujours moi, moi, tu gardes les glaces. Bois la tête, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, vous avez réfléchi. C'est ça.